Je suis tellement heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui devient une tradition. Je pense que c'est la 4e ou 5e année que je la fais. C'est la fameuse vidéo dans laquelle je vais faire une revue de la vidéo précédente dans laquelle je vous donnais mes objectifs pour l'année qui arrivait. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, je vous donnerai mes objectifs pour 2024. Une chose n'a pas changé, je bois toujours du matcha. Je pense que c'est un des premiers objectifs d'ailleurs, c'est de continuer à être plus souple avec moi-même parce que de cette manière, je pense que je le serai également avec les autres. J'ai toujours les mêmes objectifs, hein, c'est fou. En fait, je suis en train de me demander si le fait de vouloir être plus souple, c'est pas justement lâcher prise sur certains traits de sa personnalité qui ne nous plaisent pas forcément à la folie, mais qui pourtant font partie de nous. Et je pense que c'est ça aussi, le fait de s'accepter. Et ce processus d'acceptation passe par le fait qu'on doit accepter nos défauts. Et je suis en train de me dire, là, si c'était déjà mon objectif de l'année dernière, et que j'en ai parlé encore dans la vidéo bilan avec William, si finalement c'est pas juste un trait de ma personnalité, pourquoi je devrais refouler ça et pas tout simplement l'accepter? Parce qu'au final, comme c'est pas accepté dans la société, comme il y a une injonction, je trouve, moi j'aime pas ce mot, mais bon bref, au lâcher prise, au fait d'être totalement souple, et mais finalement si c'est pas moi, pourquoi d'année en année je devrais m'imposer le fait de devenir de plus en plus souple? Voilà, être souple, c'est aussi savoir s'accepter et accepter sa personnalité, accepter qu'on ne peut pas tous être pareil. Sortir ma marque de produits bien-être, style de vie, en commençant par le planner. Yes! Alors là, je peux vous dire que c'est une grande fierté parce que mon objectif de 2023, c'était de sortir Maison Tuféry. Et non seulement je l'ai sorti en commençant par le planner, mais en plus, j'ai fait une deuxième version. Et j'ai vu vos retours, vous êtes trop contente, ça vous aide, ce produit vous aide et je pense que c'était un de mes objectifs. C'est vraiment l'objectif de ma chaîne, qu'on se sente mieux dans son corps, dans sa tête, dans son environnement, dans sa peau, dans ses relations. Franchement, je vous jure, ça me rend trop fière, je suis trop contente. Et surtout que je suis déjà dans le processus du deuxième produit Maison Tuféry dans lequel je vais vous impliquer dès janvier parce que ça y est, j'ai trouvé tous les prestataires et je vous avais dit que je voulais déjà trouver les prestataires avant de vous impliquer. Mais là, dès janvier, je vais vous en parler. Quand j'étais plus petite, je voulais être soit designer, soit architecte d'intérieur, mais toujours faire quelque chose de créatif. Et là, pouvoir le faire en créant ma propre marque, c'est génial. Et à travers YouTube, tout en continuant à partager avec vous, à faire des vidéos. Trop bien. Prochain objectif 2023, continuer à voyager parce que je trouve que c'est ce qui me nourrit vraiment, ce qui nourrit mon ascendant Sagittaire. À chaque voyage, je ressors grandi et pas forcément à l'autre bout du monde, vous voyez. Alors là, j'ai eu énormément de chances de partir à Bali. C'était le voyage de mes rêves. Faire des voyages parce que ça nourrit mon ascendant Sagittaire. Non, mais ce qu'il faut pas entendre, c'est juste, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour voyager. Et là, par exemple, nous sommes allés à Amsterdam, passer quelques jours, c'était hyper sympa, mais c'était pas une vraie déconnexion. Et pour le coup, le meilleur voyage, là, je pense que ça a dépassé Bali. Ou alors c'est ex-aequo, mais forcément, il y a eu la demande. Et ça aussi, c'est un gros changement qu'il y a eu cette année. Les Maldives, exceptionnel. Je me souhaite un aussi beau voyage que celui qu'on a fait cette année, pour l'année prochaine, peut-être pour notre voyage de noces. De lire cette fois une trentaine de livres, mais surtout j'ai envie de mixer, de vraiment m'intéresser aux deux, aux ouvrages un peu plus scolaires, parce que vous savez que c'est dans ma personnalité que je suis une fille un peu scolaire, que j'aime bien apprendre. C'est bien, on revient à l'acceptation. J'ai découvert cette année en reprenant les romans que j'aimais également les lectures évasion, donc mixer les deux tout simplement. Ok, trop bien. Donc, j'ai réussi cet objectif, yes! De lire une vingtaine, trentaine de livres, tout à fait, et de mixer les romans et les livres un peu plus scolaires. Génial, passons à un autre objectif. Me tenir au yoga sur toute une année parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une pratique qui me convient beaucoup. Trop bien. Alors, Marie, on fait plus du yoga en 2024, en 2023, on fait du pilates. Et je m'y suis tenue, alors peut-être pas toute une année, je pense pas avoir commencé en janvier. Là, j'ai trouvé un bon rythme, je fais 20 minutes tous les matins dans mon salon. Au moins là, je peux le faire tous les jours à mon rythme et choisir la séance que je veux faire, donc trop bien. Puis dernier objectif, continuer YouTube, continuer à créer des vidéos parce que c'est ce qui me rend vraiment heureuse de filmer, de monter, de partager, de discuter avec vous et de voir cette communauté qui grandit. Alors si je peux vous donner un chiffre, parce que pour qu'un objectif soit bien intégré dans notre tête, ouais, soit chiffrable. J'aimerais beaucoup dépasser 400 000 abonnés. Tu peux vous donner un objectif chiffrable, mais surtout
un objectif qui, lui, ne l'est pas, c'est de continuer à avoir cette communauté qui est si unie, qui se motive, qui s'entraide. Dépasser 400 000, on arrive à 400 000 là, donc cool. Mais en revanche, au niveau de l'objectif qui n'est pas chiffrable, là, quand je vous dis que je souhaite continuer à avoir une communauté qui s'entraide, qui est aussi bienveillante, etc. On est en 2023, on n'a toujours pas de haters. Il y a 2-3 petits commentaires de personnes un peu perdues sur ma chaîne qui parfois laissent un message un peu plus critique. Mais sinon, non, vous êtes trop intelligente, hyper gentille, bienveillante, hyper encourageante, empathique. Ouais, je suis trop fière de la communauté que j'ai parce que vraiment, vous êtes des personnes... Enfin, à chaque fois que je vous rencontre, d'ailleurs, on s'entend bien, quoi. Directement, il y a un bon feeling et ça accroche bien. Ok, alors je ne l'ai pas dit, mais j'avais un gros objectif en 2023, c'était de développer mon compte Instagram. J'ai peut-être pas eu l'objectif dès janvier, à partir du 6 avril, anniversaire de Poppy, je me suis dit ok, j'ai envie de développer mon compte Instagram, je vais faire que des vidéos, que des reels, je vais poster tous les jours, sauf le samedi. Et ça, ça a vraiment payé, parce que je crois que lorsque j'ai commencé en avril, hein, j'avais un truc comme 130 000 abonnés, je dirais, 120, 130, et là nous sommes 267 000. Donc vous voyez comme quoi, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, j'ai compris ce que ma communauté veut voir. Parce que les gens qui disent, ah, l'algorithme, c'est horrible en ce moment. Non, en fait, le seul algorithme que tu dois avoir, c'est ta communauté, c'est les retours. C'est observer, ok, quelle vidéo plaît le plus, sur quel poste j'ai le plus d'engagement, quels sont les retours, et vraiment de comprendre ce que les gens qui te suivent veulent voir. Combiné aussi, bien sûr, à ce que tu aimes faire. Mais l'algorithme, c'est trop une excuse qu'on se donne, et ça, je l'ai compris en 2023. Maintenant, nous allons passer aux objectifs 2024. Mon premier objectif, c'est de continuer à prendre soin de moi, autant en santé mentale que santé physique. Donc, c'est-à-dire continuer à faire du pilates tous les matins, ne serait-ce que 20 minutes. Franchement, c'est bien. J'étais trop sédentaire avant. Et en tout cas, maintenant, je bouge quand même plus mon corps et je sens la différence. Déjà, la petite fierté personnelle de commencer ma journée en me disant j'ai fait quelque chose de bien pour moi, pour mon corps. Et ça m'énergise, en fait. Ça me permet d'être plus dynamique et voilà, génial. Donc ça, c'est pour la santé physique. Autre chose pour la santé physique, continue à prendre des compléments parce que ça, alors j'en prends depuis des années, mais vous savez que j'en suis fan. La vitamine D en hiver, trop important. Le zinc, les deux combinés pour l'immunité, c'est top. Cette année, je travaille encore avec Cure, qui fait, vous savez, les cures personnalisées. Et je voulais vous montrer, parce que j'en ai fait une pour la période de transition où le système immunitaire est un peu plus faible parce que forcément, on a bu de l'alcool. Si vous en buvez, on a mangé un peu plus gras. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Vous avez juste à faire un test sur Cure. C'est un test personnalisé qui prend, allez, 5 minutes, qui va vous demander des questions précises sur votre mode de vie et sur vos besoins spécifiques. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des compléments gélules, mais j'ai aussi pris les concentrés. Ça, je vous en parle juste après, c'est trop bien. 50% des compléments cures sont brevetés, dont le complexe drainant. J'ai pris ça parce que j'ai une très mauvaise circulation sanguine. J'ai lu les ingrédients et ça avait l'air très très chouette. Ensuite, ce que je vous conseille vivement après les fêtes, c'est de prendre une petite cure de carvi. C'est une plante qui va vous aider pour la digestion, qui est super efficace. Vous avez également chardon-marie, mais carvi, c'est très très intéressant. Donc, je voulais la mettre dans cette cure justement après. On est tellement nombreux à manquer de magnésium, ça fait trop du bien pour l'énergie notamment, pour avoir un meilleur sommeil, pour lutter contre le stress. Magnésium, hyper hyper bon complément. Si vous allez sur le site de Cure, vous avez toutes les études scientifiques qui ont été menées et qui prouvent justement certains bienfaits des compléments. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, pour l'énergie, parce qu'on en a bien besoin et parce que cette période entre Noël et le Nouvel An est un peu bizarre et ensuite on reprend, c'est janvier, on a énormément de choses à faire au travail, un peu de stress aussi de revoir tout le monde, de se remettre dans le bain, je sais pas pourquoi j'ai encore mon écouteur d'ailleurs. Ginseng et guarana. Le guarana, c'est concentré à 20% de caféine sans avoir le côté un peu négatif de la caféine. Le ginseng, bien sûr, c'est une plante qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, qui est consommée depuis des millénaires, excellent aussi pour la vitalité. Je crois que c'était des guerriers qui prenaient ça. Et voilà, écoutez les amis, pour cette petite cure. Et ce dont je voulais absolument vous parler, alors là, je les ai tous pris, il y en a 4. C'est les pipettes, vous savez. Donc, si vous êtes sujet à tomber un petit peu malade, justement, à la rentrée, n'hésitez pas, concentrez immunité. 2 pipettes par jour pendant 5 jours que vous allez mettre dans un verre ou directement sous la langue. Et vous pouvez renouveler quand vous ressentez le besoin. J'ai pris le concentré anti-stress. Dès que vous en ressentez le besoin, que vous sentez le stress monter, vous prenez 2 pipettes sous la langue. Et il a une action rapide de
soulagement, d'apaisement, voilà, pour éviter de faire une petite crise de stress. Voilà. Nous avons le concentré sommeil pour mes petites insomniaques. Je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, alors ça, ça aide aussi évidemment à s'endormir. Je vous conseille de le combiner aux exercices que je vous donne très régulièrement de scan corporel, de pipette sous la langue avant de dormir. Ça, pareil, action hyper rapide. Très bonne composition. Et le dernier, le concentré énergie. Quand vous avez un petit coup de mou, 4 pipettes par jour, mon code Marie240 vous offre moins 30% sur votre première commande cure. Je vous laisse les liens dans la barre d'informations si ça vous intéresse, si vous voulez faire un test déjà, rien que pour voir ce dont vous auriez besoin en ce début d'année. Et merci encore à Cure d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'être encore mon partenaire cette année. Je suis trop contente. On a une petite fille qui voulait faire un petit coucou. Bonjour. Remettre le bien-être au centre, parce que c'est vrai que j'ai tellement travaillé que je me suis couchée à des heures pas possibles, etc. Et là, depuis une semaine, je me couche avant minuit et je vois tellement la différence. Et aussi, je ne bois de l'alcool que le week-end, et ça aussi, grande différence. C'est fou en fait, parce que plus je grandis ou je vieillis, plus je remarque l'impact négatif du manque de sommeil et de l'alcool sur l'organisme. Lorsque j'avais 18 ans, j'étais en école de commerce, il m'arrivait souvent de faire la fête. J'ai jamais été une clubeuse, hein, par exemple, mais j'aimais bien aller boire des verres avec des amis, voilà, discuter, aller dans des bars, etc. Et le lendemain, j'allais en cours à 8h et tout se passait bien. Et c'est vrai que plus les années passent et plus l'alcool, qui est un poison, hein, il faut se le dire, impacte totalement mon organisme et la journée que je vis après. Parce qu'en fait, durant la nuit, votre corps a un objectif, c'est d'évacuer ce poison de votre organisme, et donc il ne répond plus aux fonctions reconstructives, réparatives, régénératrices du corps. Et c'est pourquoi vous ne vous réveillez pas en étant reposé, parce qu'il a fait autre chose, il a eu un autre objectif. Et ça, je le vois ne serait-ce qu'avec un seul verre d'alcool. Donc, je vous parle de ça non pas parce que j'ai l'habitude de beaucoup boire, non, pas du tout, mais simplement parce que je me rends compte que voilà, plus je grandis et plus je dois faire attention à remettre un peu plus de focus sur le bien-être, justement, et sur le côté sain de la force. Alimentation, j'ai pas grand-chose à changer là-dessus parce que je m'alimente déjà bien, et je pense que j'ai trouvé l'équilibre entre ce qui fait du bien à mon corps, ce qui fait du bien à mon cœur, sans calculer, voilà, tous les macros et tout, parce que je suis pas du tout dans le contrôle sur ça. Objectif bien-être, c'est vu. Maintenant, objectif mariage, évidemment, parce que c'était le highlight de l'année 2023. Avec cette, je vous jure, tous les jours, plusieurs fois par jour, je regarde ma bague et je me dis, oh, elle est tellement belle, et je suis tellement heureuse d'être fiancée avec William. Et donc, évidemment, on est en train d'organiser le mariage. Et il nous reste pas grand chose finalement. Mais objectif 2024, faire un superbe mariage, faire plaisir à toute ma famille, à mes amis, et qu'on passe un super moment ensemble. J'ai trop hâte, ça va être génial. Et puis aussi passer un peu plus de temps de qualité avec William, parce qu'on a tellement tous les deux travaillé énormément en 2023 qu'on a passé moins de temps de qualité qu'avant. Mais d'un autre côté, faut aussi accepter que pour créer un nouvel équilibre, il faut une forme de déséquilibre qui vienne casser nos routines, casser tout ça. Il faut accepter qu'on ne soit pas tout le temps à 50-50, parce que là, pour moi, c'est une chimère, ça n'existe pas. Il faut accepter que l'équilibre pro-perso, parfois, soit complètement chamboulé. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2023, et c'est pour ça qu'en 2024, j'aimerais revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré et remettre la balance sur le quality time avec mon amoureux. Mais attention, évidemment, vous savez ce qui me fait plaisir, c'est de travailler, et donc, c'est pourquoi j'ai envie de développer encore plus Maison Tuféry. Là, je suis sur un deuxième produit que j'aimerais décliner comme le planeur. Mais vous allez comprendre dès que vous allez savoir ce que c'est. Donc, j'aimerais sortir ce produit, éventuellement même sortir une déclinaison de ce produit avant la fin de l'année 2024. Et ça serait fou. Peut-être que je vais le faire en 2024. Sortir un livre de recettes avec maman. Ça, ça serait vraiment génial, mais je m'avance pas trop. Mais d'un autre côté, si tu t'avances pas, tu fais rien en fait. Faut vraiment avoir des objectifs concrets, sinon ça reste des rêves, voilà. Éventuellement, un livre de recettes, ça serait trop bien. Je sais que vous l'attendez tellement, donc c'est pour ça aussi que je me dis, allez, ça serait bien de le mettre dans l'objectif 2024. Continuer à lire à la fois des ouvrages, des romans, des ouvrages évasion, mais aussi je m'intéresse énormément au biohacking en ce moment, ça me passionne, j'adore ça. J'aimerais bien avoir une Oura Ring, dites-moi si vous en avez une, mais ça a l'air vraiment cool. Lire encore plus sur le fonctionnement de notre corps, de notre organisme, de notre cerveau, j'adore ça. Donc voilà pour la lecture. J'aimerais terminer sur quelque chose que je trouve très important et qui a vraiment eu un impact super positif sur ma vie
en 2023, c'est, d'ailleurs je l'ai noté dans mon planeur le journal, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude, ça a un pouvoir extraordinaire. Et même dans mes prières, que l'on prie un Dieu en particulier, que l'on prie l'univers, que l'on prie peu importe ce que vous priez, je trouve ça encore plus puissant de prier pour remercier que de prier pour demander quelque chose. De remercier pour ce qu'on a déjà ou de remercier pour ce qu'on va avoir. Mais le fait de juste être reconnaissant et remercier, je trouve ça super puissant. Et là, en 2023, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de bien dans ma vie, le soir, dans mon lit, avant de dormir, je faisais une prière pour remercier parce que je sais que j'ai des guides et je sais que j'ai une bonne étoile et j'ai des personnes formidables qui veillent sur moi, qui me guident, qui me protègent et j'en suis trop trop reconnaissante. Je le sais, je le sens, c'est en moi, c'est indéniable quoi. Donc voilà, le fait de remercier plutôt que de quémander ou voilà, de demander ce qu'on veut. Je trouve que ce qui est vraiment puissant, c'est pour tout ce que tu as envie de réaliser, prends ta part de responsabilité et commence déjà par la toute petite action qui va en entraîner une autre et ça va faire un effet boule de neige qui va faire en sorte que tu as la responsabilité de réaliser l'action que tu veux. Voilà les amis, j'aimerais terminer là-dessus sur cette gratitude, sur l'importance, la puissance de la prière. Dites-moi vos objectifs dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram que je vais continuer à développer grâce notamment au calendrier de l'après, dès le 1er janvier jusqu'au 28 janvier, une vidéo bien-être tous les jours sur un thème du bien-être. Et chaque dimanche, une newsletter pour un petit récapitulatif et des ressources supplémentaires exclusives. Prenez soin de vous!